Hey, salut YouTube. On se retrouve pour la suite d'autres aventures sur Horizon. Et on était parti sur un bosquet. J'ai la mémoire. Hop, toi je te passe par dessus. On avait combattu à l'épisode précédent un énorme mammouth. Non, j'ai pas ton temps. J'ai des missions à faire, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, j'ai pas le temps de te parler. Désolé. Du coup, on est tout là, on se retrouve tout seul. Après, franchement, être à deux ou à trois, parce qu'à un moment on était trois, je vois pas de différence en fait. C'est pendant les combats, les collègues, ils servent à rien, mais. Oh. Ah si. On va dire, ils se prennent les coups pendant 2 secondes. Ils font un peu les victimes. Et après, voilà quoi. Non, en soi, franchement, il nous aide pas des masses au niveau des combats. C'est un peu dommage, mais bon. Mais en vrai, ils auraient pu faire un système coop du coup. Fait qu'on est toujours un collègue, ça aurait pu être sympa. Hein. Bon, ouais, je pense pas que ça soit dans leurs objectifs. Il me semble que normalement, ils sont censés faire un mode multijoueur. Bon, après, ça doit être du PVP, hein, je pense. Hop, ça se perd. J'ai pas besoin de tout récupérer, attends, j'irai juste au niveau des flèches. Faudrait, c'est ça, que je puisse en refaire. Mais pour l'instant, j'ai pas ce qu'il faut. Là, des flèches enflammées, je vais en faire une. Ça, je vais en faire une. Des grosses flèches, je vais en faire. Attends, pardon. Ouais. Ok. Je vais prendre ça en attendant sur moi. Et puis de flèches. Après, voilà, faut. Sur les humains, j'ai l'impression que les plus efficaces, c'est l'arc de précision, il me semble. C'est ça, hein. Ah ouais, l'arc de précision qui fait beaucoup plus mal. Je vais reprendre un peu de branchage. Ah, j'en ai à peine 100. Ah, ça part vite, hein. Ouais, après je vais peut-être me refaire un stock de branchage. C'est vrai que beaucoup... Attendez, il y a un truc à scanner là-bas. Deux membres de frappe arène. Ah, on l'a peut-être déjà pris, peut-être. J'ai vu qu'il m'a pas demandé de scanner en soi. On l'a peut-être déjà pris. Par contre, on va vraiment faire 2000 mètres à pied là. Ça va généralement plus vite quand on chevauche. Sinon, nous on va se retrouver directement là-bas. Hein. Ça sera plus simple. Hein. À moins que. Ouais, après, on a des environnements assez jolis à contempler en attendant. Mais c'est vrai que ça peut vite être long si on fait tout à pied là. Je sais plus si c'était possible dans le 1 de chevaucher des robots volants. Je m'en rappelle plus du tout. Je crois pas. En vrai, je crois pas. Hein. Je prends juste un peu de branchage. Ah, c'est bizarre parce que là, il me dit que je suis à 400. Alors que tout à l'heure, quand je l'ai pris, j'étais à peine à 100. Bah alors, je ne sais pas. C'était peut-être pas le même type de bois. Ok, on est dans un environnement. Ah ouais, on est. Je regarde à peu près où on est sur la map. Alors ce grand coup là, je l'ai pas pris. On est passé à côté, mais je l'ai pas forcément vu. Ah si, ou alors je l'ai vu et je me suis dit, vas-y, plus tard. Bon, en fin de compte, tu regardes, il y a plein de trucs sur la map. Hein. Bon, après, il y a plein de trucs que je pense que je vais faire en off quand j'aurai le time. Je vous dis ça à chaque fois, mais bon, c'est vrai que j'ai très peu le temps. Malgré que je suis en vacances, j'ai pas le temps. C'est dingue. Ah bon, si j'ai pas le temps quand je suis en vacances, j'aurai jamais le temps. C'est un peu souci. Tu peux avancer, merci. C'est un peu souci. Et après, ça serait plus sympa si j'arrive à avoir un peu plus de points de compétence. Ok. Je sais toujours pas s'il y a un intérêt de tuer les animaux. Peut-être pour récupérer de la peau, des trucs comme ça. Si je bouge, j'aurai moins froid. Ouais, mais il y a pas de jauge de chaleur là. Qui se barre. Pas sur qui là. Oh, c'est un guet-apens. Bah attendez, on est d'accord qu'il était en train de se battre avec un mec qui le calculait même pas. Et comment je sais qu'il y a avec moi qui est contre moi? Du coup, t'es avec ou contre moi? Alors. C'est sur moi que tu tapes là? Non, impossible.
kill qui pote. En fait, moi je sais pas qui est avec moi là donc. Ok, là, ouais, attends, je vais t'aider, mon petit pote. En attaque! Voilà. Va te coucher, mon pote. Hop là. En fait, le mec, quand il tirait, c'est parce que le mec était derrière moi, mais en fait, il me tirait pas dessus. Par contre, c'était drôle parce qu'il tirait sur un mec qui le calculait pas. Ah, par contre, il y a un truc jaune là. Ouh, un lingot d'or. Recette potion découverte. Très intéressant, bah j'ai bien fait de passer par là. Ouais, il s'est passé trop de trucs là sur le chemin là. C'était scripté ou. Parce que, hey, j'ai. Oh, mais non, mais ce qui m'a fait rire, c'est que le mec il tirait sur le type sans même que l'autre se retourne. Sorti, il arrivait pas à le toucher. C'était grave drôle. Bah, après qu'il y a eu un éboulement là, j'ai pas compris à quel moment l'éboulement. Qui a provoqué l'éboulement en tout cas. Aucune idée. Ouais, ça je peux pas les chevaucher, je crois. Donc je vais pas tenter d'aller les voir. Je crois qu'on est bientôt arrivé, non? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en haut? Bonjour. Ah, c'est une petite secondaire. Oh, je vais pas la faire maintenant. Moi, ce qui me fait, c'est que t'arrives dans le truc, tu voles limite parce que sérieux, tu vois. Personne se pose de questions. Ouais, ça doit être un truc. En fait, le truc, ça doit être un truc de chasse ou un truc comme ça. C'est pour ça que je lui parle pas parce que si on se lance dans une chasse maintenant, on a pas fini. Parce qu'il me semblait qu'il y avait des trucs comme ça déjà dans le premier. Et c'était des trucs assez longs quand même à faire. Du coup, ouais, j'ai pas fait de coupure entre les deux. Et du coup, comme ça, on visite un peu les environnements qui sont assez jolis de toute façon à visiter. Donc tant mieux. Hein. C'est vrai que le jeu est quand même assez beau. Hein. Ou ça, je peux les chevaucher. Attendez, je peux les chevaucher. Alors, pas lui. Ouais, alors comment je fais pour aller chevaucher? Putain, en fait, je crois que j'irai plus vite. Ah, il y a le happy qui essaie de. Il m'a fait flipper. Ils vont me détecter. Je te jure, ils vont me détecter. Je peux juste les attaquer, je peux pas les tuer. Ok. Je me casse. En fait, je peux juste les attaquer, je peux pas les pirater. Oh shit. Ah, je vais descendre par là. Non mais descends. Ah là il descend. Comme ça, c'est carré je crois. Voilà. Merci. En plus ce truc j'ai pris une attaque sans dessus, je vais même pas enlever la moitié de sa vie. Ah t'es sérieux là? Ah c'est ça ouais. C'est un malade lui. Bon il m'envoie des cailloux. Ah cactus. Allez je récupère un peu cactus. Oula. Ça ressemble à des crocodiles mais. Ah je peux pas parce que je suis en combat. Ok. Enfin je descanne pour pouvoir les mettre dans ma zone dans mon livre de dans mon Pokédex, voilà. Pour faire clair. Hop là. C'est vrai que là on est dans une zone où il y a pas mal de. Et comment je sais si je peux par exemple les pirater? Quel élément ça me donne? Ouais, là je suis dans la merde en passant devant lui là. Inutile de vous cacher dans la hauteur, ouais ça je sais. Ok. Oh attends il descend, nickel. Si lui descend c'est une bonne nouvelle, comme ça je vais pouvoir passer par en haut. Un peu de branchage. Le son, je suis à fond, donc ça passe. Ouais, alors là, j'ai été pas du tout discret, j'ai l'impression. Ouais. Ah, il m'a touché, hein. Ouais.
Du coup, je crois que j'avais une compétence qui me permettait, quand j'étais un peu seul, de pouvoir me régénérer un peu, je crois. J'espère. Et il a une quête secondaire, je vais lui prendre sa quête secondaire en même temps, vu qu'on est là. Au pire, je vais me soigner, parce que j'ai pas l'impression que ça remonte. Il y a une vie en jeu. Il faut que tu aides mon ami. Attends. Doucement, explique-moi. Ouais, donne des détails un peu. J'ai porté des marchandises de Halit vers le sud quand des machines ont attaqué. Je l'ai laissé derrière moi pour aller chercher de l'aide au bosquet, et je suis tombé sur une autre machine. Donc ton ami est encore là-bas, en train de se battre? Mais c'est ce que j'essaie de te dire. Je vais faire de mon mieux pour l'aider. Toi, tu vas aller chercher des renforts. J'y vais. Merci beaucoup. Je t'en prie, hein. Tu sais, c'est un peu juste. Allons, on se casse. Oh, ça me fait rire, ça. Parce que du coup, vu que c'est une quête secondaire, qu'on fait vraiment comme on veut, enfin, quand on veut surtout, ben, le truc, le mec, il est parti en courant, sauf que, bah, ça se trouve, on fera la mission que dans 50 ans. Ou même jamais, ça se trouve. Oula. 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 La météo, elle est vite changeante ici. Est-ce que j'avais besoin de prendre de la pierre, je sais pas. Mais... Ok. Machine inconnue. Ok. Il pourra pas me blesser avec ses cornes si j'arrive à les détruire. D'accord. Ah, mais on va juste. Oh oui, par contre, c'est pas des cornes qu'il a, mon pote. Je vais juste faire le grand tour. En tout cas, là, juste en allant à la mission, on a pu découvrir plusieurs types de robots. Par contre, c'est moi où la météo elle change très très vite. Tu sais, c'est parce que en passant d'une zone à une autre, ça change la météo ou c'est parce qu'il y a un problème météorologique là? J'ai aucune idée. Il faisait jour, d'un coup il a fait nuit, et d'un coup il a fait rejour, mais très vite. Mais t'as vu tout ce qu'on... Tout ce qu'on découvre. Mais je crois que c'est dans mes compétences pour savoir pirater un robot en fait. Je pense que j'ai pas envie de... Attends, faut que j'aille où là? Je suis par là-bas. C'est par là, gros. Ouais, je crois que je peux pas les pirater, je crois. Attends, je regarde un truc vite fait. Ouais, je me suis caché derrière le... Ouais, ce que je sais, c'est les justement, c'est que je peux pirater. Attends, je sais même pas quel type je peux... Ah, y a même des variantes en plus. Ah, ça, c'est tous les types d'animaux qui... Enfin, tous les types de robots qui existent. Du en le tunnelier, le nombre de variantes qu'il existe, mon pote. Incroyable. Ah mais attends, c'est... Il faut pas que j'aille dans une table sur un établi pour améliorer mon truc, pour peut-être pirater ou un truc comme ça. Putain, je me rappelle même plus. Ouais, que j'arrive à me rappeler à chaque fois des trucs quand ils me les disent, parce que ça va être compliqué sinon. Ah, c'est bon, normalement on est arrivé dans le camp. On reste que plus rien normalement. Après, s'il y a un vendeur d'armes, moi je suis preneur. Hein. Ah putain, par contre, ouais, non, tu vends pas des arcs très utiles, toi. Est-ce que je peux te vendre des trucs? En vendre? Ressources? Ouais, voilà, je peux vendre mon lingot d'or. Après, ça me prend que du métal. Oups. Enfin, ça me donne que du métal en... tenue. Comparer. Attaque silencieuse. Ah, pas là, c'est plutôt. Celui-là, c'est plutôt silencieux. Par contre, la tenue, elle est dégueulasse. Besoin de provision? Pff, non, parce que tu vends pas des trucs forcément de ouf. Ah non, c'était même pas dans ce camp-là, ok. Dehors. En dehors du camp, pardon. Hop, et attends, on est où sur la map là? Parce qu'on avance, mais... Comment on fait pour... Ah oui, on était tout là-haut. On est redescendu tout là. Okay. Limite, c'est un chemin que... C'est bizarre parce que ce chemin, il... Oula. Ce chemin, il me dit rien en fait.
avec nous. Ah si, mais si, on va revoir le mec dans son tombeau là, non? Étrangère, le chef Ecaro et le maréchal Cotalo t'attendent. Ah oui, mais c'est pour ça en fait, on est déjà venu en fait. En fait, j'aurais pu faire une TP rapide en fait. Le coup de route ne devrait plus tarder. Ensuite, je pourrais accéder à la salle qui se trouve sous le trône d'Ecaro. Ok. Et à Ether. Étrangère, le chef t'attend dans l'arène. Ouais. Derrière le trône. Alors déjà, quand tu me dis arène, pas forcément ce qu'il y a de plus plaisant, parce que je sens qu'à un moment ou un autre, je vais devoir y aller moi dans l'arène. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais juste, il n'y a pas des trucs à fouiller, parce qu'ils aiment bien cacher des petits trucs en général. Ça doit mener à l'arène. Allez à Ikaro. Non. Ok. J'espère qu'il ne faut pas me battre. Une autre partie des ruines. Ils en ont fait une arène de combat. Caché. Ouvre la cage de force. Non mais attends, ouvre! Excusez-moi, j'ai un peu j'ai un peu paniqué pour voir. Ok. Oh! Vous avez vu ce que j'ai vu ou pas? Je sais qu'il y avait une tenue. Voilà. Ouais, alors pourquoi il me compare pas avec celui que j'ai? Bon, c'est pas grave. On va mettre celui-là. Appliquer tenue d'apparence. Ah non. Au pire, je mets cette apparence là, mais j'ai cette tenue là sur moi. Mais visuellement, elle est dégueulasse quoi. Hop, c'est bon. Je regarde juste. Ok, on est bon. Alloy. Il m'a été rapporté que tu avais déplacé des montagnes au rempart. Littéralement. Cotalo a aidé. Oui. Tes côtés a été puni devant le clan tout entier. C'est du beau travail. Mais l'heure du coup de route est venue. Certains vont participer et d'autres vont regarder. Ils savent que Regala agira. Je ferai tout pour respecter ma part du marché tant que vous respectez la vôtre. Bon, quel est le plan? Cotalo. Il n'existe que deux approches pour attaquer cette arène. La salle du trône dont tu viens, ou l'accès qui se trouve au nord. On a placé des barricades. Mais si Regala veut frapper le coule-route avec ses machines, elle va devoir passer par le nord. Tu y rejoindras nos défenseurs. Repousse-la, et j'aurai mes maréchaux. Je te libérerai de mon service et tu auras ta récompense. Je te conseille vivement de te préparer. Une fois que le coule-route a commencé, il sera trop tard. Vas-y, il est temps d'en finir, je suis prêt. Bien. Tu trouveras Deka à la barricade nord avec les autres défenseurs. Que les 10 guident ton arme. Nous nous verrons après le combat. Bon, en fait, on va quand même se battre, en fait. mais c'est pas exactement ce que je pensais. Moi, je pensais qu'on avait pas de... Ça, c'est ma réserve établie. Amélioration d'armes. Moi c'est pas l'arc. Voilà, l'arbre de chasseur. Je peux modifier. Ouais. Vas-y, on va aller mieux au niveau 1. Voilà, niveau 1. Plus de 10 de dégâts de brûlure. Ok. Équipement spécial. Non. Non, bah ça doit pas être ici alors. Ah, je vais améliorer aussi du niveau 1 lui. Je préfère être armé avant le combat. Voilà. Ouais. Bah du coup c'est pas sur l'établi qu'on améliore le piratage. Vos emplacements de bumine a été débloqué pour une de vos armes. Ok. Attends, je vais juste regarder ça. Hop. Stand de mes armes, alors est-ce que c'est lui? Ah peut-être. Modifier les bobines. Hop, alors bobine j'ai quoi? Augmente les chances d'infliger des coups critiques, augmente les dégâts. Pour la concentration, et ça je peux pas le mettre, donc ouais, je vais mettre celui-là, je pense. Ok. On est pro combat, les gars. Alors, j'espère que ça va pas être trop compliqué. Oui, il y a un point d'exclamation, lui. Oula, parce que ça lag à côté de lui. Oriental,
Je pensais pas que le commandant du ciel en personne serait présent. Si jamais mes candidats venaient à affronter Regala, il est normal que leur commandant partage leur destin. Ou tu veux peut-être sauver les apparences après l'affaire du rempart ? Prends garde à toi. Ma lance en a embroché pour beaucoup moins que ça. Je garderai ma lance pour les troupes de Regala à ta place. Alors hop là, il sait plus quoi dire. Allez, il dégage. j'ai bien fait de faire la discussion. Hop. Bon. Les défenseurs des carreaux devraient se trouver au bout de cette tranchée. Ouais, normalement, il est juste au-dessus. Nous serons loin d'être seuls dans ce combat. J'ai pas qui me parle. Putain, c'est... Non, mais c'est bizarre parce que l'épisode d'avant, j'avais pas de lag et là, j'ai des petits lags. Comment je sais pas monter là-haut, moi. Ouais. Comment qu'on fait pour monter ? Par là ? Yes. Je sais pas si c'est au moins alors. Non, c'est alors, c'est pas ici, mec. Ah, attends, il y a une échelle. Putain, je suis aveugle, mec. En échelle, juste à côté, je le vois pas. Arrête. Mais après, ils ont mis une couleur où en fait, même le mur est de la même couleur. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas de ma faute. Il faut terrasser les machines. Une fois détruites. Dites-vous que les forces de Regala ne seront pas supérieures aux nôtres. Oui, Chaplain. Serrez-vous les coudes. Allez, rompez. Nos soldats sont parés. Ils protégeront le coule-route par la terre. Le ciel, en revanche. Pas mal. Où tu l'as trouvé ? Une de nos escouades l'a récupéré sur une machine. Je t'en prie, à toi l'honneur. Regala a beau être féroce, nous saurons lui montrer notre force. Où ça commence ? Grenade ! Le coule-route va débuter. Notre lutte requiert du sang neuf. Des héros. Lâchez les proies. Candidats, approchez. Tous ceux qui abattront une machine seront nommés maréchaux. Souvenez-vous des 10. Frappez depuis les airs à leur manière. Et la gloire vous attend. Ok, allez, on est parti. J'ai un pistolet laser. Par contre, je sais pas si j'ai une limite de munitions dedans. Ouais, ça fait mal, je trouve. Voilà, ça dégage. Alors, lui, j'ai bien fait l'atomiser parce que. Oula, par contre, y'en a un gros qui arrive derrière là. Ah si je suis mis en munitions, moi, à ce que ça. Je vais le voir en bas à droite. Par contre, j'ai plus de vie là. En fait, j'attaque lui parce qu'il me tirait dessus, en fait, c'est con, plus nerf là. J'essaie de mettre le plus de munitions possible sur le gros. Ok, il est mort, c'est bon. Attends. Est-ce qu'il me tire dessus aussi, ce con là? Attends.
Attends, faut que j'arrive à trouver ses points faibles. Les arbres qui sont sur les côtés. Utilise-les. Ok, attends, je vais reprendre le lance-flamme là. Hop. Un lance-flamme, est-ce que ça, c'est un lance-flamme non? En fait, vu que je le crame. Ok, j'ai plus de munitions. Là, on est ok. Excuse-moi. Attends, parce qu'il y en a un autre là en fait. Je vais juste récupérer. Et prends le lance-flamme. Ok, il est où le gros là? Il est là. Ok. Bon, j'ai l'impression que quand j'en tue un, il y en a un qui revient. Alors lui, il est hyper gros, mais il est hyper nul. Vous avez remarqué? Non, j'ai arrêté test et je me suis dit, il va peut-être d'utiliser bêtement des munitions. Vaut mieux que j'arrive à en économiser un peu. Parce qu'en fait, je sais pas s'il y en a d'autres. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres par terre, des munitions, enfin des armes, mais bon, j'en doute. Ouais, il y a un gros là. Faut que j'arrive à avancer de l'autre côté. Allez, ouais, lui il est gros lui. Avec l'arme que j'ai, ça va, je lui fais mal hein. Donc, Allez! Ah, faut mourir, monsieur! Il va mourir, il est en train de cramer. Non, il crame plus. Ok, c'est bon. Tu vends? Il reste qui? Il reste que lui? Si c'était que ça, c'était assez facile. Oula, petit lag. J'ai bien l'impression qu'on va affronter un boss. Va au canon. Si je peux le faire s'approcher, ouvre le feu. C'est ça, par ici, gros lombrique. Ok. Je crois qu'on va mourir à peu près 14 fois. Je vais partir sur ça. Hop là, DJ va cramer. Hop là. Hop là. Putain, je m'enlève que 10 de vie, mec. Par contre, je me suis caché où là? Au mauvais endroit. Ouf. Oh, l'esquive. Les gars, on peut venir m'aider. Je suis dans la merde là. Oh merde, je peux continuer. Oh, point faible touché. Ok.
trop compliqué de toucher ces points faibles quand ils bougent à open. Ça va pas me faire des flèches. Ok. Ok. Putain, il a l'air de toucher l'enfoiré. Ah mais je crois que ça m'endurcit, ça me donne pas de la vie. Je crois que j'ai modifié. Bah tire, je suis dans la galère mec. Oh, je crois qu'ils auraient su le toucher, je suis pas sûr mais... Ah non, je l'ai pas. Je crois que moi c'était la bobine verte qu'il me fallait pour... Je dois recharger. Ouais bah dépêche-toi par contre. Continue de la distraire. Bah... C'est comme si j'avais le choix en plus, c'est bien. Prendre un peu de soin. Hop là. Je sais pas si ça respawn tout seul le soin. Enfin, ça part tellement vite les flèches gros. Je vais pas avoir assez de pour faire du feu. Ça me prend trop longtemps. Par contre tu peux tirer. Putain. Mais en fait même quand j'esquive il me touche quand même. Regarde. Voilà, à chaque fois faut que je sois derrière caché derrière un truc. Comment ça la machine est trop près? Bah après je sais pas de quel côté il. Quel côté est la machine. Quoi? Non. Eh là je suis pas d'accord. Ah je suis désolé, je suis pas d'accord. Je suis caché derrière le truc, une bouche. Arrête. Ah je bouge pas, mais t'es mignon quand même. Des bonnes, mec, je suis en train de faire cartouche là. L'autre bouge pas. Vas-y. Je tente des trucs. Ah, mais si tu tires une cartouche et à chaque fois tu recharges, on n'a pas fini aussi, hein. Eh, je pense qu'on va changer. Tu vas venir en bas, c'est moi qui vais être le canon. Ah bah dépêche-toi. Parce qu'après, il y a d'autres points faibles que j'ai pas. Putain, ouais, mais j'ai d'autres points faibles, moi, que je vois pas, ouais. Peux te relever, s'il te plaît. Merci. Ah, mais il bouge trop, je peux rien faire en fait. Touché en plus en pas sensible. Touché. Ah il me fait une nouvelle attaque. Attaque boule. Ok. Joué. Vous avez vu, faut que j'aille au corps à corps. Je peux tenter le corps à corps. Moi j'ai attaqué à côté mais ça compte pas. Je calcule le tir. Parce que moi, faudrait que je me cache derrière un truc. Allez, oh, je l'entends armé en plus, c'est con. Ok. Ok, en fait, faudrait que je vise un peu près au niveau de sa tête, ou même ça là. La queue là. Voilà. Heureusement qu'il y a des bullet time, hein. Je calcule le tir. Calcule un peu trop à mon goût, mais... Bata. Je tire. Ah, tire. On voit pas qu'il est sur moi. Ah, j'ai eu. Je recharge. Ah merde, j'ai cru qu'il était à terre. Ok, attends, je vais aller de l'autre côté. Ah mais t'es mignon, mais tu vois pas que j'essaye de faire des trucs. J'essaye de prendre du soin parce que mon soin il est à géométrie variable. Et voilà quoi. Bah ouais, mais comme j'ai rien pour me protéger, mec, ça c'est marrant.
Non mais non, non par contre il y a un bug mec. Je t'assure il y a un bug. Parce que t'as vu le mec il arrive à me toucher alors que je suis à travers le... À travers le... Voilà, on a compris. Il est où? Ah, je suis en train de perdre de la vie avec son poison là. Au pire, pendant qu'il est en train de me cracher dessus, est-ce que quand je tire dessus, justement, ça l'empêche pas de me tirer dessus? Qu'est-ce que je suis en train de me poser là? Dans le mille. Dois recharger. Mais non. Pour ta gueule. Je vais l'enchaîner. Continue de la distraire. Je vais tirer. Pêche-toi. Ah, il est en train. Attends, il est en train de perdre de la vie. Je crois que c'est avec le feu justement là qu'il est en train de prendre cher. Putain, ouais, parce que j'ai esquivé derrière le truc. On recharge. Et après, je vais me faire dessus, comme d'habitude. Hop là. Non, pas du tout. Là, je peux pas être plus près pour taper. Enfin, des fois, il tire pas, je sais pas pourquoi. Ça va m'attaquer vers derrière l'autre là. Il m'envoie des boules. Non mais tu vois non il y a un problème. Il va me toucher à travers à chaque fois. Je peux rien faire. Je vais l'attaquer. Je peux juste du son passant. Bim. Ouais, je tente des trucs. Je suis coincé dans sa queue. C'est rare de dire ça mais c'est vrai. Il est bientôt mort là, allez! Putain, mais attaque aussi là, putain! Qu'est-ce qu'il fait? On va y arriver. Allez, je prends un peu de potion. Oh! Oh, ça esquive le. Hop! Non, trop. Ouais, bah oui, bah alors là, oui, je l'ai pris dans le museau. J'ai besoin de toi. Hop là, si je tire dans le ventre en fait là, dans le machin vert, ça devrait passer normalement. Je sais pas ce qu'il fait comme attaque là, il me regarde chelou là. Il me regarde de travers. Et ouais, il crame mais il perd pas tant de sang en fait. Oh, je crois que c'est bon. Je t'avoue que t'es pas la seule à détester ce genre de... Surtout quand il va m'attaquer à travers. Hop. Mais tu vois, non, le feu ça reste efficace. Hein. Et lui il me faisait des attaques qui me mettaient des handicaps. Du coup moi le feu ça l'handicap aussi donc... Hop. Je prends juste ma bourse avec peine, là du coup. Hop, comme ça en même temps je fais plein de soins. Je reprends un peu de branchage. T'as vu le nombre de munitions qu'on se crée en fait à chaque combat? C'est incroyable. Bon, ça va en fait, quand j'en prends un, ça m'en redonne beaucoup, alors ça c'est l'avantage. Hop. C'est bon, niveau soin on est bon. Hop, je reprends juste tous les coffres. Enfin les coffres, bon ils sont là mais ils servent pas à grand chose parce qu'il y a pas de choses très utiles dedans. Ok, et nous du coup on se barre par là-haut. Ok. Ça sent bien qu'elle le tue pas quand même le petit écarreau là parce que... Il a l'air sympa comme type. En train de se battre.
Non. Ah, tu m'en remercieras, t'inquiète. Ah, c'est bon, il est mort, il est mort. T'es avec moi ou t'es contre moi, toi? T'es avec moi. Attaque silencieuse. Hop là. Arrête, il est mort. J'ai fait tout le travail. C'est vrai que moi, genre, en fait, j'ai des difficultés à reconnaître mes alliés des ennemis, en fait. Bah, je sais pas s'il y a que moi, mais... Hop, ça, ça m'a donné une potion. C'est loin d'être fini. Je reviendrai avec l'ensemble de mes forces. Et le sang des partisans des carreaux jaillira à flot. Votre attention. Je vous félicite. Vous avez terrassé vos ennemis, ceux de métal et ceux de chair. Je vous nomme tous maréchaux. Votre premier ordre est de débarrasser l'arène de tous les rebelles restants. Allez. J'ai échoué. J'aurais dû achever Regala. Mais elle reviendra avec d'autres machines, plus fortes que jamais. Je ferai tout ce que je peux pour aider. Non, tu en as fait assez. Bien plus que ne t'y obligeait notre marché. Quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de ta vraie mission dont nous dépendons tous. Je n'étais pas certain de te croire alors. Mais maintenant, oui. Alors laisse-moi. Et mets-toi à la tâche. Qu'allez-vous faire? Réparer ça. Ce que tu cherches est là, vas-y. Tes exploits rejoignent ceux des 10 dans nos mémoires. J'y suis. Ether est en bas. Ok, rentrez dans la salle. Oh, aïe, 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 aïe. Non, c'est bon, on descend. J'ai cru que j'allais me tuer. C'est quoi cet endroit? Oh, mais ça a l'air sympa. Et du coup, c'est notre tout premier... Ah non, du coup, deuxième qui est... Comment dire? Noyau, voilà, merci. C'était marqué. On rentre à la maison. Elisabeth Sobek, grade Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction subordonnée est dans le code d'origine. Je l'ai. Je dois le rapporter à Gaïa. Ok. Ok, il y a des trucs à fouiller là-dedans. Les mots de tout comme maintenant. Mais du coup, déjà, petit 1, je fais comment pour sortir d'ici? Ah, peut-être avec l'échelle que j'ai pris. Ok. Ok. Bah, je crois qu'il y a rien d'autre. Hein. Je crois qu'il y a rien d'autre. Mais attends, la seule question c'est. Ok, c'est ici. Alors, viens.
Je suis là, t'inquiète hein. Qui veut me parler? Ok, c'est des cas, juste à côté. Hop. Ah mais j'arrive. Mais laisse-moi, tu vois pas qu'il y en a qui ont des missions? Des missions sacrées? Les visions du bosquet ne sont plus les mêmes. Et celle-ci vient d'apparaître. Est-ce que c'est de ton fait? Les visions ont changé. Voici celle qui a inspiré le chef Ekaro. D'autres témoignages venant des anciens. Écoutez maintenant les mots qui ont réuni un peuple. Suite aux événements tragiques de la guerre, Anne Faraday, l'architecte en chef de l'effort de réconciliation, s'est adressée à une nation en mal d'espoir. Si nous regardons le futur, à travers le prisme du passé, nous ne verrons que la peur. La guerre menée contre les machines, le manque de nourriture et le manque d'eau, les tempêtes qui viennent nous chasser de nos maisons. Mais le courage, c'est affronter ces peurs avec conviction et ne pas céder au cynisme. Le fait de lutter pour la paix, en compagnie de ces femmes et de ces hommes courageux, ces maréchaux du nouveau Sud-Ouest, n'a fait que renforcer ma conviction que lorsque nous sommes vraiment unis, nous ne craignons plus aucune menace. Venez, rejoignez-nous dans ce combat et luttez en faveur d'une nation qui ne sombre ni dans le besoin, ni la guerre. J'attends tes ordres, commandante. Je viens avec toi. Mais Ekaro a besoin de toi. Grâce à ton aide, il a ses maréchaux. Et un appel à l'union que les clans ne peuvent ignorer. Alors je propose de t'accompagner dans ta mission. Je t'offre ce qu'il reste de ma vie. C'est la voie que je choisis. Je vois mal comment refuser. Zo, je connais quelqu'un qui veut nous rejoindre. Tu vas partir à sa rencontre dans les collines pour lui montrer le chemin. D'accord, Aloy. Va dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Une de mes connaissances t'attendra là-bas. Je vous rejoins dès que possible. Une connaissance? Voilà qui est intéressant. Bah de toute façon, nous aussi on doit y aller, on doit déposer... Je rapporte terre à Gaïa. Ah voilà, voilà. J'ai l'impression que sa capture a eu un effet sur les autres hologrammes. Je devrais peut-être jeter un œil. Bah un peu la flemme là, je t'avoue. Mais du coup voilà. Du coup, sur les belles paroles de ce... cette vision, nous on va se laisser là-dessus pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Nous on se dit à la prochaine, où on va remettre Ether avec Gaïa et voir ce qui se passe. Allez, ciao tout le monde.